Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermet, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et je me demande aujourd'hui comment peut-on expliquer la transfiguration de Jésus au 21e siècle. Dans les milieux d'Église, il y a une expression surtout utilisée en anglais qui dit que lorsque une paroisse répète une activité, ça devient immédiatement une tradition. Et si la même activité est répétée une troisième fois, mal tout est coulé dans le béton, on ne peut plus rien changer parce qu'on a toujours fait ça de cette manière. C'est pas surprenant. Les êtres humains sont des créatures d'habitude. Nous aimons la routine et la répétition. Lorsque nous trouvons une marque ou un magasin qui nous plaît, nous y sommes fidèles pendant plusieurs années. Nous cherchons à reproduire les belles expériences de notre passé. Nous rêvons de capturer nos moments de bonheur dans un bocal afin de les conserver pour toujours. Nous souhaitons maintenir les choses telles qu'elles sont quand nous sommes satisfaits. Et comme le veut la tradition, à toutes les années, le récit de la transfiguration de Jésus est lu dans nos églises pour marquer la fin de la saison de l'Épiphanie. Et à toutes les années, les pasteurs, les prêtres, les prédicateurs tentent d'expliquer ce phénomène spectaculaire. À toutes les années, il ou elle essaie de répondre à des questions comme « Pourquoi Jésus a-t-il pris avec lui seulement Pierre, Jean et Jacques? Sur quelle montagne ont-ils grimpé? Pourquoi et surtout comment les vêtements de Jésus sont devenus illuminés? Pourquoi Élie et Moïse sont-ils apparus et non pas d'autres grands héros du Premier Testament? » Pendant des siècles, de grands penseurs, des théologiens ont approfondi ces questions et pour être totalement honnête, nous ne sommes pas plus proches d'une réponse claire et précise. La nature de ce grand mystère semble toujours nous échapper. Il est possible que nous ne trouvions jamais d'explication pleinement satisfaisante. Il est aussi possible que l'analyse de chaque petit détail de ce récit nous empêche d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire, un peu lorsque les arbres nous cachent la forêt. Peut-être tout simplement que les disciples, à quelque part, à un moment donné, ont vraiment vu Jésus transfiguré. Peut-être un jour, ils l'ont regardé. Ils l'ont vu sous un nouveau jour. Peut-être ont-ils compris ce que le théologien John Shelby Spong a brillamment expliqué, que le ciel et la terre, que le divin et l'humain se sont touchés, se sont même unis en la personne de Jésus. Peut-être les disciples ont connu une expérience mystique puissante qui pouvait se décrire seulement qu'avec les images du texte d'aujourd'hui. Cependant, nous pouvons très bien comprendre la réaction de Pierre au sommet de la montagne. Malgré sa frayeur, il réalise que le moment est spécial et il essaye de figer le tout dans le temps. « Maître, c'est bien que nous soyons ici. » Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Établissons un campement permanent. Demeurons au sommet de cette montagne pour toujours. Restons à cet endroit et dans ce moment de grâce éternellement. Coulons le tout dans le béton et ne changeons plus jamais rien. Combien de fois avons-nous dit « Ne touchons plus à rien,
ne touchons pas à ce qui fonctionne. Suivons exactement le même déroulement que la dernière fois. Réinvitons la même conférencière du mois dernier. Répétons le programme de l'année dernière sans aucune adaptation. Et de la même manière, certains demandent que l'on ne touche pas aux traditions millénaires de l'Église chrétienne. N'osons pas s'aventurer dans différentes manières de vivre notre foi et notre spiritualité. Pourquoi changer une formule gagnante? Conservons les règles et les structures qui nous ont si bien servi dans le passé. Comme Pierre, plusieurs d'entre nous éprouvons de la difficulté à voir le potentiel au-delà de nos expériences au sommet de la montagne. Nous voulons figer les choses pour toujours. Mais malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas arrêter le temps. C'est comme un peu prendre une poignée de sable. On peut serrer notre poing le plus fort que l'on peut, mais le sable finira toujours par s'écouler. C'est un peu comme le concept de l'impermanence dans la foi bouddhiste. Toutes les idées, tous les objets qui existent maintenant, aujourd'hui, disparaîtront un jour. C'est inévitable. Malgré toutes les émotions, le bonheur, la plénitude ressentie, l'expérience a toujours une fin. Nous devons toujours redescendre de la montagne. Notre mission en tant que disciples de Jésus n'est pas de trouver tous les moyens possibles afin de retourner au sommet de la montagne et d'y demeurer entre nous et de créer une bulle complètement coupée du reste du monde. Nous sommes invités à vivre notre foi et notre spiritualité dans notre société. Nous sommes encouragés à nous inspirer de ces moments spéciaux dans nos vies afin de transformer notre monde et d'apporter des changements significatifs tout autour de nous. Nous sommes appelés à croire que une nouvelle donne, une nouvelle situation, un nouveau contexte peut conduire à de nouvelles expériences transformatrices qui vont amener ensuite, encore une fois, du renouveau. Pour ceux et celles qui espéraient que je vous explique la transformation et la transfiguration de Jésus aujourd'hui, ben désolé, parce que je n'ai aucune idée de ce qui s'est produit au sommet de la montagne entre Jésus, Pierre, Jean et Jacques. Quelque chose s'est sûrement déroulé qui a inspiré les disciples à continuer leur mission. J'espère seulement que si une situation similaire se présente un jour à l'un ou à l'une d'entre nous, nous aurons la sagesse de pleinement vivre le moment et d'utiliser la puissance de cette expérience afin de continuer d'avancer, d'apprendre et de grandir dans la foi. J'espère que nous aurons le désir de redescendre de la montagne et d'inviter les gens à essayer quelque chose de différent. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas de aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolettre, dont le lien se trouve soit en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Faites attention. Bye bye.